Will, dessinateur, metteur en scène. Plusieurs ouvrages lui sont consacrés. Il est aussi le talentueux dessinateur d'Isabelle. Stéphane Desberg, scénariste. Allô ? Allô, pourrais-je parler à Tiff et Tondu ? Certainement. Un instant. Tiff et Tondu, deux joyeux compères. Ils vivent des aventures remplies de mystères et de suspense. Les portes grincent. Des pas résonnent dans la nuit. Tous les ingrédients du roman populaire sont employés pour tenir le lecteur en haleine. Il est bon de rappeler que Tiff est chauve et que Tondu est barbu et chevelu. Monsieur Will, quand avez-vous repris les personnages de Tiff et Tondu ? Eh bien, je les ai repris en 47-48, c'est-à-dire que Diner, qui était le créateur de Tiff et Tondu, cessait. Et moi, jeune dessinateur, on m'a proposé de reprendre cette série, ce qui était inespéré pour moi. Il y a combien de temps que cela dure, l'histoire de Tiff et Tondu ? Je la traîne derrière moi depuis... ça fera 33 ans, je crois. C'était, disons, un peu plus fantaisiste, un peu plus lunesque, si je puis dire, farfelu. Qui sont Tiff et Tondu ? Oh, ce sont des personnages qui ont été créés il y a assez longtemps, bien avant la guerre, qui ont effectué un héritage et qui leur permet de vivre des aventures sans trop se préoccuper de gagner leur vie, enfin sans problème d'argent. Quels sont les amis de Tiff et Tondu ? Il y a principalement la comtesse Kiki. Kiki, de son état Amélie Comtesse Dieu. Elle apparaît pour la première fois dans Tiff et Tondu contre le Cobra. Elle est plus qu'un faire-valoir de Tiff et Tondu. Elle est sympathique, dynamique. C'est le sourire féminin qui éclaire leurs aventures d'hommes. Il y a l'inspecteur Fix Chaussette qu'on n'a plus utilisé depuis assez longtemps. Fix Chaussette. Un policier britannique empreint de dignité, de calme et d'humour. Toujours vêtu de tweed, élégant, il incarne un parfait sujet de sa gracieuse majesté. Il y avait Monsieur Choc, enfin je sais pas si on peut appeler ça un ami de Tiff et Tondu, mais enfin ça fait déjà quelques années qu'on n'a plus vu non plus. Choc, qui est-il ? Nul ne le sait. C'est le génie du mal, le maître de l'épouvante. C'est le fantomas de la bande dessinée. Créé par Rosie, il donne aux aventures de Tiff et Tondu une atmosphère d'angoisse et de mystère. Comment dessinez-vous Tiff et Tondu ? Bon, Tiff et Tondu, premièrement, est une histoire qui est semi-réaliste, qui demande malgré tout une certaine documentation. Et bon, je dessine Tiff et Tondu comme tout le monde dessine, je crois. C'est-à-dire que je fais un crayonné, je fais, après cette recherche de documentation, mise en page. Et puis, je passe à la mise en encre, c'est tout, c'est très simple.
décor vous pose des problèmes? Pas spécialement. Je dois dire que le décor, dans le décor, je suis plutôt à l'aise que, qu'avec les personnages. J'ai toujours été un décorateur, si vous voulez dire. Vous êtes inspiré par le Midi de la France? Oui, oui, dans mes séries, effectivement, ça revient. Je connais assez bien le Midi, j'y vais souvent. J'ai même habité un petit peu avec Giget. Et là, bon, ça revient dans mes séries. Vous faites plusieurs planches d'avance? Oui, oui, c'est certain. Dans la presse enfantine, nous travaillons avec un délai assez long. Et là, bon, je travaille pratiquement avec une série d'avance, c'est-à-dire pratiquement avec 44 pages. Vous travaillez donc beaucoup? Oh, non, pas plus qu'un autre. Je ne sais pas, je crois que c'est une question d'organisation de travail. Hein. Et comment vous vous organisez? Vous avez des horaires fixes? Oh là là, non, certainement pas fixe. Disons que je m'impose quand même, disons, une certaine production. C'est-à-dire, je dis, bon, je vais faire 2 pages par semaine. Là, j'y arrive plus ou moins. Mais enfin, si le temps est beau, vous savez, ici, il pleut parfois. Et bon, s'il fait beau, bon, je prends ma bagnole et je vais me balader. Là, il n'y a pas de problème. Je me rattrape le lendemain. Comment écrivez-vous un scénario de Tif et Tondu? Oh, eh bien, je commence par m'y mettre la nuit. Page par page, après avoir un peu discuté du thème avec Will. Disons que ça me prend à peu près un mois et demi, deux mois. C'est pas un problème, hein. Et là, le type est à côté de la voiture. Oui, oui. Il est en train de réfléchir. D'accord. Tu as la place pour le texte, non? Oui, ça va, ici, et puis, de toute façon, ça, c'est pas planche, on s'arrange. Alors, la case suivante, on revient à la villa. Je m'inspire des scénarios que Tillieu avait fait avant, éventuellement de thèmes scientifiques, des romans populaires. J'aime bien effectivement mettre pas mal de mystères dans mes histoires. En dehors de la bande dessinée, vous faites de la peinture? Oui, je fais de la peinture. Là, c'est mon passe-temps préféré. Et... malheureusement, je ne peux pas toujours en faire, étant donné que, bon, la bande dessinée, c'est quand même très absorbant. De plus, c'est un peu, je dirais pas le même métier, mais quand j'ai terminé ma planche, me remettre à faire la peinture, parfois, c'est, je ne dirais pas que c'est pénible, c'est jamais pénible, mais enfin, c'est dur quand même. De nouvelles aventures sont prévues? Oui, toujours. C'est sans fin, je crois. Je crois que... Tif et Tondu peuvent durer encore de nombreuses années. Je crois que là, même quand je serai plus là, quelqu'un les continuera. J'espère.